le retour du défilé de mode des commerçants de la ville de Pont-à-Mousson. Alors, d'où est partie l'idée de remettre en place ce projet ? En fait, l'idée, elle est simple. C'est que nous avons une superbe ville où il fait bon vivre, que nous avons des commerçants et artisans plus que professionnels. Et donner donc l'image de notre ville par le biais d'un défilé, ça paraissait presque une évidence. Depuis ce matin, on travaille tout ensemble. C'est un super moment professionnel qu'on est en train de vivre. On a réuni à peu près 40 commerçants artisans ce matin, 70 mannequins amateurs. J'oublie pas que quand je dis 40, ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup qui ne peuvent pas être sur un défilé. On va parler des chausseurs, on va parler des fleuristes, les cafetiers. Enfin, on est riche encore d'un beau commerce. Et c'est une façon effectivement de le mettre en lumière. Et donc offrir un spectacle, parce que c'est un défilé, mais pour moi c'est un spectacle. Il y en a qui ont fait vraiment, qui vont se donner sur cette scène. Plusieurs métiers qui sera mis en valeur aujourd'hui hein, lors de ce défilé. Ah bah oui, il y a les esthéticiennes, les coiffeuses et puis les boutiques de vêtements. Hein, il y a bon, aussi les accessoires. Il y a... On voit la richesse des commerçants de notre ville. Sur Pont-à-Mousson, bon, on peut penser qu'il n'y a plus rien, mais ce n'est pas vrai. Il y a énormément de commerces. Il faut se déplacer, il faut aller dans les commerces, il y a énormément de choix, il y a plein de choses. Et c'est le moment jamais, là, avec le défilé, de voir tout ce qu'il y a sur Pont-à-Mousson. Alors, je vous prie à découvrir les collections printemps, été des créateurs de notre ville. Varié, hein, c'est pas comme les grandes enseignes qu'on connaît. Ah non, 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 justement, c'est les petits commerces, c'est toute la différence, il y a le conseil, c'est ce que les personnes cherchent souvent, d'être conseillé, ben ça va pas, je veux dire, c'est important. Chacun sa morphologie ou son style qu'il cherche à s'approprier. Voilà, exactement, bon, tout le monde n'est pas fait pareil, et ce qui va à une personne n'ira pas à l'autre, mais pour ça, il faut être conseillé, parce que des fois, les personnes ne savent pas, et justement, le petit commerce permet tout ça. Proximité, puis aussi le vêtement unique ou assez rare. Enfin, moi, ça fait des années que j'entends ça sur mes clientes. Je pense que Chantal l'a entendu. Se retrouver dans une soirée avec la même tenue que la voisine ou que son amie, effectivement, c'est un risque aujourd'hui, vu que l'enseigne a pris tellement effectivement de place au niveau du vêtement. On va parler du vêtement, mais on pourrait parler effectivement pareil de la maroquinerie, de la chaussure. Quand on pousse nos portes, effectivement, il y a une identité qui va ressortir. Qu'on va nous faire sentir, parce qu'effectivement on est là aussi pour vous faire découvrir des fois voilà, un vêtement, un sac, une chaussure auquel vous n'auriez pas pensé. Et
sur des bases d'une ville et d'un commerce comme le nôtre, ce n'est pas multiplié par centaines, par milliers, et toutes nos vitrines sont différentes. C'est ce qui donne effectivement cette richesse et cette identité qu'on veut défendre. Voilà, la convivialité, la liberté, et puis ce conseil. On n'attendra peut-être pas 10 ans pour la prochaine. Mais écoutez, on verra bien, on ne sait pas pour le moment. On verra, voilà, on verra. En tout cas, voilà, ce rendez-vous est donné, il est fait. Ceux qui sont là, je pense, vont passer un bon moment. Ceux qui ne sont pas venus, eh ben, on verra. Peut-être dans un an, 10 ans, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, on va vivre déjà l'instant présent.